C'est Woden, je te dis. Ne sois pas idiot, Braun. Chacun sait que c'est Odin qui mène la chasse sauvage. Eivor, qui mène la chasse sauvage? Odin. Pourquoi? Je suis en train de lui décrire Oscoreia, mais il veut transformer ça en une mascarade. Pas une mascarade! Un spectacle! Je me disais que certains pourraient se déguiser en dieu et défiler. Avec toi en tête, Eivor. Oscoreia, ce n'est pas le festival des châtaignes, mais le moment où le voile entre les mondes est si fin que les morts nous hantent, à moins de les honorer. Absolument. Et où les dieux viennent chasser en Midgard. Et pas seulement le gibier. Alors autant éviter d'attirer leur attention. Tu as raison de te méfier de la colère des dieux, Danois. Mais ce n'est pas en se cachant qu'on échappe à la chasse sauvage. Mon oncle, je t'ai dit de laisser ces gens tranquilles. Tu t'es encore roulé dans les herbes, n'est-ce pas? Un peu de respect, petit morveux. Et appelle-moi Maxwell, comme tout le monde. Mais personne ne t'appelle comme ça. Je t'ai vu déposer tes pots fumants un peu partout. Tout le village sent comme une cabane de clairvoyante. J'ai placé ces pots là où la trame du voile est la plus fine, afin de percevoir les menaces invisibles avant qu'elles nous tombent dessus. Désolé, Eivor. Il a l'habitude d'arriver sans prévenir. Je lui ai dit qu'il pouvait loger chez moi pendant son séjour ici. Tu fais bien de lui offrir l'hospitalité. Il faut marquer d'une manière ou d'une autre l'époque de la chasse sauvage. Elle est source d'inquiétude pour les gens des deux religions. Et selon toi, Eivor, comment faut-il honorer Oscoreia? Par des épreuves de force et d'adresse. Comme le tir à l'arc de Tyra, pour montrer à la chasse que nous ne sommes pas des proies. Son dernier tournoi a eu tant de succès que Swinda prépare à nouveau quelque chose. Bien. Dis-lui que ce ne sera pas un spectacle. Mais une préparation à la chasse sauvage. Dis-le lui, toi. C'est toi qui diriges cette préparation. Moi? Mais je n'ai... Et va voir ce qu'a fait Gudmund à la mémoire des défunts. Tu n'as pas remarqué le navire au beau milieu de la colonie? Je l'ai vu, oui. Bien. Que la sagesse d'Odin te guide. Donc, pas de spectacle? J'ai une meilleure mission à te confier. C'est toi qui évalueras qui impressionne le plus les dieux. Tu seras le gardien des jetons. Je serai pour toi le meilleur des juges, Eivor. Va voir Norvid à propos des jetons. Dis-lui que je t'envoie et je viendrai te voir plus tard. Mes herbes révèlent l'invisible. Mais c'est toi, car tu diriges, qui dois franchir le voile et découvrir les mystères de l'abîme. Oh, je n'ai jamais dit que je dirigeais. J'aurais peut-être dû laisser Braun organiser ce spectacle. Eivor, ravi de te voir. Certains d'entre nous s'inquiètent à propos de la grande chasse. Je veux les rassurer par des concours de talent et de courage. J'ai ce qu'il te faut. Je viens de recréer le chaos des combats. Nos guerriers se battront dans le brouillard de la guerre.